Bonsoir à tous. Le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme. Il est petit si le cœur est petit et grand si le cœur est grand. Bienvenue à tous. Moi, c'est Céline Vauquer, je suis paysagiste. Je vais vous parler de la transformation progressive de mon cerveau d'occidentale française au contact des populations afro-antillaises. En effet, je ne suis pas originaire de la Martinique, je suis originaire d'un petit village de la France hexagonale. Oui, j'ai changé. Merci. J'ai changé à travers mes cinq sens et également la communication avec les gens d'ici. Je vais vous parler surtout du côté horizontal de la relation. Les cinq sens, d'abord la vue, le quartier Trenel, en haut à gauche. C'est ça qui m'a le plus impressionné la première fois que j'ai débarqué en Martinique. Comme le disait Yvon Paquitte ce matin, il parlait des quartiers populaires de la ville de Fort-de-France. Qu'est-ce que c'est le quartier Trenel? Le quartier Trenel, c'est d'abord un des quartiers populaires de la ville de Fort-de-France, mais c'est d'abord un morne. Le Morne d'Aizé, tout en haut, un camp militaire, et tout en bas, une des plus importantes rivières de la Martinique, la rivière Madame. Alors, ce qui m'a le plus surpris, effectivement, ce sont ces maisons collées les unes aux autres, agglomérées, mais c'est surtout le fait que je n'ai pas compris, dans un premier temps, ce choc de culture. Alors, quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche. J'ai gravi ce morne et je suis allée voir l'autre versant, de l'autre côté de la façade. Et là, j'ai découvert une population extraordinaire, des maisons coup de main, c'est-à-dire le partage des savoir-faire. On travaille ensemble, les frères ensemble, les sœurs, les cousins, les cousines, les oncles, tous nos savoir-faire regroupés pour construire la maison. On n'oublie pas que ces quartiers ont été à l'initiative mise à disposition par la mairie de Fort-de-France à l'époque. Aimé Césaire, le maire, qui a mis à disposition ces quartiers afin que les gens descendus des mornes puissent venir habiter, élever leur famille, trouver un toit, envoyer les enfants, faire des études. Cette mise à disposition et ce partage, ça veut dire que derrière la façade, il y a des valeurs. Les valeurs de partage, de solidarité et de générosité. Donc la vue. L'ouïe, bien sûr, à travers les sons. Les sons, la musique antillaise. Il n'y a pas si longtemps, dans le parc Aimé Césaire, il y avait un hommage à Marius Cultier et qui parlait, il y a à la radio, de paysages sonores. Je suis paysagiste. Ça m'a beaucoup sensibilisée. Les quartiers, il y a aussi beaucoup de jeunes. Et les jeunes, ce que j'apprécie, c'est qu'ils écoutent la musique du pays, les musiques conscientes. Et je rends hommage aussi à Kalash. Il y a Marius Cultier, mais il y a aussi Kalash, un son que j'aime beaucoup, My Son. I love you, my son. OK. Et merci pour... Ce qui m'a surpris, c'est que effectivement, les jeunes d'ici ont de quoi écouter des sons du pays. Ça veut dire que ce que j'apprécie, c'est que nous sommes des êtres géographiques. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous goûtons, nous influence. Nous sommes des êtres géographiques. Nous changeons au contact de nos cinq sens. Je viens au goût. Évidemment, je lisais tout à l'heure Daniela Ferrière dans son dernier livre, L'art presque perdu de ne rien faire, où il parle de l'art de manger une mangue. Ce goût si particulier, Édouard Glissant également en parle, quand il est descendu avec sa maman à l'âge d'un mois et demi, il dit que lui-même, il a ressenti l'odeur des mangues alors qu'il était un nourrisson. Donc, J'ai cherché également dans la littérature antillaise. Et j'ai fait des recherches sur les quartiers populaires de la ville de Fort-de-France.
et j'ai découvert Texaco, un autre quartier de la ville de Fort-de-France, mais qui est aussi le titre d'un des romans les plus prestigieux qui a fait le tour du monde, Texaco, de Patrick Chamoiseau, qui est ni plus ni moins prix Goncourt. Merci. Ok. Donc, notre littérature, notre musique, nos paysages voyagent dans le monde entier. Aujourd'hui, nous vendons une image à l'étranger. Nous vendons... Qu'est-ce que nous vendons? Nous vendons notre slogan Martinique, île aux fleurs. Je suis paysagiste, je suis sensible à ce slogan et je voudrais que, à travers cette image qu'on veut donner dans nos rues et dans nos paysages, ça puisse refléter notre slogan, notre blason Martinique, île aux fleurs. Et il y en a des fleurs, il y en a, plus belles les unes que les autres. Dans la littérature antillaise, ne serait-ce que dans la littérature d'Aimé Césaire, j'ai pu découvrir un patrimoine botanique. Aimé Césaire est un botaniste. Et les pendus peuplaient le ciel d'acéras. Que sont les acéras en haut à droite? Les acéras, ce sont des orchidées. Les orchidées qui pendent effectivement aux arbres. Et à l'intérieur de cette petite fleur, il y a un petit personnage. Là, il y en a deux, c'est un couple. Ces petits personnages, ça évoque pour lui les pendus à la période de l'esclavage, le lynchage. La littérature, l'histoire, la culture, culture, nature, culture sont liées, intimement liées, et particulièrement dans l'œuvre d'Aimé Césaire. La hémantus, cette fleur, cette boule de fleurs petite comme ça, et qui à ses yeux représente la coupe afro d'Angela Davis. Voilà. Donc le toucher également. À travers la littérature, j'ai découvert une culture de résistance. Résistance contre l'oppression, résistance contre la colonisation. Ça a collé à ma rage. J'ai accepté, j'ai adopté cette rage. Cette culture... Cette résistance s'organise où ça? Cette résistance s'organise sous les bois. Oui, je parlerai d'abord du serment du bois Caïman, en bas, à gauche, en Haïti, comme vous le savez. Cérémonie, certes, au culte, mais réunion des grands chefs. Toussaint Louverture, Bookman. La résistance s'organise également, 1870, les mornes de Rivière-Pilote. L'incendie, Lumina Sophie. Les résistances s'organisent également, 1822, les pitons du Carbé. La résistance s'organise sous les bois. Alors je reviens à mon métier, paysagiste. Ça me parle, ces plaintes. Et dans cette littérature, j'ai découvert effectivement cette lutte que nous recherchons tous pour la liberté. Et moi, paradoxalement, alors que je pouvais circuler partout, n'importe où, librement, là où j'ai ressenti le moins de liberté, c'est dans mon travail de paysagiste. Pourquoi? Parce que, alors que je travaillais dans un bureau d'études de génie civil, alors que je plantais des routes, des trottoirs, des parkings, je ne comprenais pas comment je devais lutter autant pour planter des arbres. Le nombre d'arbres qu'il y a en Martinique, je n'ai jamais réussi encore à comprendre pourquoi c'est aussi difficile de planter, alors que pour planter un trottoir, on n'a pas de problème. Ce n'était pas mon patron qui m'en empêchait, c'était quand on devait présenter le projet, eh bien, il y avait des réticences parce que c'est toujours la dernière roue de la charrette, les plantes. Hélas, hélas, grande fois, hélas. Parce que quand je suis au Morne Rouge, je suis donc finalement depuis 12 ans en Martinique, originaire finalement du Morne Rouge un petit peu, et quand je vois des grands-mères, je félicite leur travail, chaque fois je les encourage, parce que quand elles sortent de la messe, peut-être ce matin ça s'est encore produit, avec leurs talons, on ne les voit plus, elles sont dans les buissons, et puis hop, une bouture de coléus. Ici on l'appelle tapis Monseigneur, n'est-ce pas? Et il y en a toutes sortes de variétés. La dame m'a dit,
je n'avais pas le verre. J'ai dit, bravo madame, maintenant vous avez fait voyager les plantes. Encore une fois, pas plus tard qu'hier, je fais mon petit sport, je vais en voiture, oh, une voiture freine devant moi, je vois un monsieur sortir côté passager, clic, une petite bouture de bégonia. Il y en a plein en Morne-Rouge. Je dépasse la voiture, ah, une dame qui conduit. Je me dis, et la dame a envoyé chercher son mari. Les dames sont infernales avec les plantes. Ensuite, je retrouve la dame, nous allions au même endroit finalement, au Morne-Rouge, au Cap 21. Elle n'allait pas se faire son sport. J'ai dit, madame, vous envoyez les autres chercher vos affaires. Elle me dit, oui, oui, j'ai pris le rose. J'avais le blanc, je n'avais pas le rose. Je vous en prie, c'est vrai. Et j'encourage ces gens-là, parce que le bégonia, tout le monde sait que ça reprend super facilement, hein. C'est pas du vol, hein, on est bien d'accord. Eh bien, moi je félicite toutes les grand-mères ici qui font ce travail et qui contribuent à cultiver leur jardin, parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est que effectivement, dans la nature, il y a cette diversité, mais cette grande diversité, c'est dans les jardins des gens qu'il y a des collectionneurs fabuleux ici, en Martinique. Et je les félicite et je les encourage. Donc, comme je ne pouvais pas forcément planter dans les projets, j'ai planté évidemment chez moi et puis à l'extérieur de chez moi, comme les grands-mères le font. Et j'ai pris donc cette force des grandes personnes. Et puis, j'ai circulé encore. Et puis là, j'ai découvert également la culture de la rue. La culture de la rue, parce que combien de noms de quartiers, les quartiers d'Aimé Césaire, Bas Maternité, rue de la Citronnelle, rue du Patagon, rue du Patchouli, où sont les plantes? Alors je dis, plantons du vétiver au quartier vétiver à Caspilote, des balata au quartier balata, des acajou au mornacajou, au François, des flamboyants à la cité des flamboyants, etc. Plantons nos arbres de vie et respectons les noms des rues, parce que les noms des rues nous représentent notre histoire. Les plantes font partie de l'histoire, les plantes ont voyagé. La rue est à nous. Et je reprendrai les paroles du groupe IAM. Ça vient de la rue, le style et l'élégance, les techniques et les danses. Cherche pas, tu sais d'où ça vient. Ça vient de la rue. Alors je vous dis à tous, plantons nos arbres de vie ici. Merci. Plantons nos arbres de vie partout, collectivement, ensemble. Plantons partout, n'hésitons pas, librement. La rue est à nous, c'est notre nature. Allons-y gaiement. Merci à tous. Merci.